J'ai toujours rêvé des créatures imaginaires. Elle est vraiment belle. Je trouve tellement magique les fonds marins, c'est tellement intense l'expérience qu'on vit rien qu'à travers des films. Du coup, ici, le fait qu'il y a plusieurs couches quand on entre à l'intérieur de l'installation, on a l'effet de 3D, de volume. Les créatures sont libérées dans l'espace, dans un réel espace 3D. Ils ont leurs propres lois. J'ai toujours rêvé des créatures imaginaires. Et je n'ai pas cessé de les dessiner dès que j'ai eu un bout de papier. De mettre en place un monde qui n'existe pas, mais qui existe. Puis l'univers virtuel se met en place par le biais de la sculpture, de cette matière, de dispositif qui est mis en place. La légèreté de la matière, la transparence. Une sorte de programme génétique, mais qui n'a pas de fonction. La fonction, c'est de rêver. Je vois les gens, ils sont chaque fois qu'ils ont une expérience de la fiction, ils sont touchés. Ça leur parle tout simplement. Cette expérience, ils arrivent à la vivre tout naturellement. Thank you.